La Médinessa. J'avais un problème, vous allez quand même dire. Genre, pas grave. Vous pouvez le dire en chat que je fais rien. C'est, une bonne, c'est un bon truc à faire. De toute façon, je n'ai pas le chat parce qu'il n'y a pas le chat. En fait. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire la merde, je ne vois pas. Ouais, la chat, je vous annonce. Non, je serai gentil avec vous. Et voilà, le match commence. Oula, PS2. Classique PS2. Allons voir ce que ça donne. Des petits nerfs. Harmony qui... Harmony est un perso marionnettisme. C'est plus... C'est du marionnettisme. C'est du marionnettisme, mais c'est pas comme les autres marionnettistes. Genre, les autres jeux de combat, c'est pas... Ouais, c'est les pas la même chose, en effet. Ouais. L'humain est... L'humain c'est plus un support qu'une marionnette. Bah en fait, si, hein, c'est une marionnette que tu contrôles, qui supporte, regarde. Tu dois le balancer et tu peux choisir son nombre de ses attaques qu'il fait. D'ailleurs, tu vois, up smash ouais, mais... qui touche si tu y restes trop longtemps. Genre, à quel est exemple de Est-ce que ça va être un Zero to Death? C'est un Zero to Death, il s'est rien pris. No Steve, point d'interrogation. C'est plutôt violent ça. Ah, c'est vraiment dommage pour notre cher joueur Steve qui est ici et Ponflex qui est banni. Ponflex, c'est une horreur pour une fois. Pas comme le dernier match. Les deux derniers joueurs. Parlons du fait que Monsieur Popo s'est toujours pas rien pris. Il laisse l'humain encaisser les coups. Monsieur Popo est vraiment monstrueux depuis le dernier Nova, je m'en souviens. Ah non, il est très chaud. Pas ce style. Ouh, il s'est pris les premiers dégâts. Ça va du coup pas être un JV fort. Et Ponflex va pas se laisser faire. C'est Wolf, tout le monde sait jouer. Voilà, la pression placée. Oh, la petite pression avec le Luma. En fait, c'est un choix assez compliqué en ledge trap avec Harmony. Pourquoi? Parce que t'as le choix entre roll. Allez, roll, c'est pas une bonne option. Non, c'est très bonne option. T'as pas beaucoup d'options. Allez. Parce que Luma couvre la plupart d'entre eux. Et après, il y a Rosa qui couvre le roll. Mais taper. C'est ça le truc. Taper et sauter, c'est genre. Soit taper est une des meilleures options, mais Rosa peut prédire ça et du coup te punir. C'est ça le problème. C'est vraiment le problème avec... C'est un très bon ledge trap pour ledge trap. Ouais, regarde, voilà. Up smash qui touche encore. Tu peux pas attendre. Pire que plante. C'est des ledge trap marionnettes. Ouais, voilà, up smash encore une fois. C'est violent. L'humain est violent. Il te laisse pas vivre. Et ça, je m'en rendais pas compte. On va voir comment Ponflex va réagir avant ça. Je m'en rendais pas compte avant de voir Mister Popo, mais Harmony a un combo game plutôt violent, en fait. Ah non, mais ouais. Car les seules représentations d'Harmony, c'est Dabuz, et Dabuz a un style de jeu un peu plutôt axé sur la... pas défense, mais plus sur... comment tu dirais ça, Agressif. Non, plus un bait and punish, je pense. Mais je suis pas sûr. On doit forcer les adversaires. Ouais. Il l'attend plus, alors que là... Plus patient. Là, il est plus agressif. Plus défensif. En parlant de Dragon Ball... Faut pas... Ouais, Mister Popo, Dragon Ball. Exactement. Hein. Mais je pensais pas à ce Monsieur Popo. J'avoue, j'ai pas pensé à Mister Popo. Tout est dit dans le nom. Ouais, non, tout est dit dans le nom, en effet. Ouh, le Luma est mort. Et maintenant, ça va être la passion. Parce qu'il faut attendre que Luma revienne. Et du coup, il reste très défensif. Avec les petits nerfs. Et voilà, Luma qui est déjà là. Il s'est reparti pour notre petit spectacle de marionnettes. Ouais, Flex, Luma qui a quand même une grosse portée. Qui est vraiment en mauvaise posture. Là. Ouh, le chat qui tue. 3 stocks. RIP. 3 stocks. Ne vous inquiétez pas, il peut revenir. Ah là, il enlève son t-shirt, attention, il est chaud. Là, il passe en mode bult, il passe en mode buff, il va sérieusement. Ouh là là. Le magnifique pull de Ponflex, si vous le voulez. Bonjour. Bonjour. C'est ton pull, Ponflex? Ouais, c'est son pull. Le petit 3 stocks, malheureusement. Qui est-ce que je prends là? Ça, c'est une bonne question. Passant, Ponflex qui a un t-shirt tranquille, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien dans sa vie. On voit. Le petit t-shirt tranquille, vous pourrez le voir en caméra quand ce sera à son tour. Et du coup, on va voir comment Ponflex va réagir à ça. Il vient de se faire 3 stocks par la Rosa. Est-ce qu'il va counter ou... Il réfléchit à quel perso pourrait gérer Rosa. Moi, la meilleure stratégie, ce serait de tuer Monsieur Popo là maintenant et passer dans la prochaine raquette. Effectivement. Cloud ou Edgy, c'est deux. Aucun des deux. Non.
Fondamental. IG, ça, c'est automatique, t'inquiète pas. C'est automatique. Ouais, Pera. Et c'est reparti pour le Wolf. Et voilà, pour Flex, on retombe plus sa sécurité. Et on retombe sur le même terrain. Allons voir si ça va changer. Voyons. Est-ce que Ponflex va gagner ? Est-ce que c'est Ponflex qui va transférer ? Allons voir ce que ça donne. Est-ce que Wolf devrait jouer plus patiemment ? Est-ce qu'il devrait jouer plus patiemment ou un peu être un peu plus rageant ? Honnêtement, c'est, je sais tellement peu sur Wolf, je sais pas comment il doit gérer ça. Moi, je suis pas un très bon joueur, du coup, je sais pas trop comment il doit faire. Voilà, le combo game qui commence, carré 50% à 0 encore une fois. Ouh, les EPR. Rosa qui vraiment. On le laisse pas descendre. Violente, violente. On le laisse pas descendre. Ouh, oui. On veut qu'il reste dans les airs. Voilà, encore le trap. Hop, et là. Merde. Voilà. Et ah, on n'a pas le droit de dire ça, c'est vrai. Ah, si, ça passe. Mais eh ben, pas trop violent. Et la daronne à tout le monde, je vous laissons. Et c'est reparti encore pour un second côté. Aïe aïe aïe. En fait, c'est vraiment trop de mal. C'est un match-up plus que. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'il joue Steve, voilà, et qu'il n'est pas habitué avec d'autres persos. Et du coup, en plus, c'est un perso qu'il a jamais affronté. Du coup, il est vraiment pas prêt du tout, en fait. Et depuis que le lièvre a été levé à propos de Steve, ben. Comment on peut dire que. Ouais. Et vu qu'il a été ban. Il a été ban. Et c'est le seul joueur Steve, en fait, c'est ça le truc. Du coup, techniquement, c'est comme si tu voulais que Ponflex arrête de jouer, en fait. C'est un petit ban que je trouve pas mérité. En fait, Harmony est plutôt hype, par ça, je me rendais pas compte. Je vous laisse le chat décider si vous pensez que le ban de Steve était mérité au Nova. Oui, il est mérité. Steve, c'est vraiment un perso. Ouais, mais quand le seul Steve est un seul joueur. Ah, Ponflex, c'est le seul. C'est le seul Steve que je connaisse. Attends, non, de Belgique. Ouais. Ah, bah. Il n'y a pas d'autres cibles en Belgique, c'est ça le truc. Ouais, non, mais les autres personnes qui vont venir en dehors de mais la il n'y en a pas d'autres pour le moment. Pour le moment, il n'y en a pas. C'est ça le truc. Pour le moment, ça nerf qu'une personne, tu vois, parce que tout le monde joue le reste. Ça aide plus les autres. En fait, c'est vraiment un gros merde juste pour Ponflex. Et, mais en tout cas. Ponflex qui a pas vraiment de gros Pokémon. Et s'il avait pris Aegis, comme. Parce que. Mais il connaît pas Aegis. Il joue plus Steve. C'est ça le truc. Paera. Ouais, bah, il a préféré tenter avec ce qu'il sait déjà que essayer du nouveau. Ah bah il a raison, parce que moi je sais pas jouer à Aegis. Voilà, tu vois, j'aurais pas tenté un perso qui ne touche jamais. Ouh, est-ce qu'il va prendre la stock cette fois-ci ? Est-ce qu'il va comeback ça ? Waouh, vraiment spécial. Attention, le Luma est revenu. C'est reparti pour un petit spectacle. Le up smash qui est très rapide et très puissant de Rosé, c'est ce qu'on parlait. Harmony, un up smash super puissant et rapide. En passant, le stop Ponflex qui peut peut-être recover. Ponflex va-t-il revenir de ce match ? Tout est possible. Ne jamais ne pas croire en une victoire. La dernière fois, j'ai vu des comebacks, personne n'avait cru. On a confiance à le ledge qui a raté. Le 2-0. Et malheureusement. Voilà, c'est malheureux. Et voilà. C'était très compliqué pour Ponflex. Pax à son main, jouer contre un perso qu'il connaît pas, un joueur très fort. C'était presque impossible.